Voilà, si tu aimes les vidéos que je fais sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, cliquer sur la petite cloche, m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne, puis enregistrer, puis voilà, allez. Allez, bonne vidéo! Salut tout le monde, salam alaikum à tous, c'est aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Un tuto donc comment brancher, enfin comment jouer. Ok, l'ordinateur ne respecte pas. Comment jouer avec une manette de PS4 sur PC. Tout d'abord, en fait, vous allez sur jointoke.net. Donc là, c'est ça que vous devrez télécharger. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, dès que vous êtes sur ça, vous allez descendre en bas. Merde, je ne me respecte pas. Voilà. Après, vous allez choisir un de ces trois-là. Ou après, pour avoir une version stable, enfin, pour certains PC, vous allez cliquer là. Mais pour ceux qui ont un PC normal comme moi, c'est-à-dire Windows 7, Windows 8, Windows 9, non, Windows 10, je crois qu'il n'y a pas Windows 9. Excusez-moi, pour Windows 7, Windows 8, Windows 10, je crois même pour XP et Vista. Ouais, parce que c'est écrit là en fait, hein. Donc pas besoin de vous en dire plus. Donc voilà, après, sur l'ordinateur que vous êtes, vous allez choisir un de ces trois-là. Mais moi, je vous conseille plutôt celui-là. Sur le texte, ok. Ensuite, vous verrez ça. En fait, oui, mais moi, j'ai déjà téléchargé. J'ai déjà le dossier compressé. Du coup, ensuite, dès que vous avez fini, vous allez fermer. Et là, vous aurez un dossier. Enfin, si vous voulez le dossier sur le bureau, en fait, vous allez dans le. Vous allez dans téléchargement, jointoke, et après vous glissez là. Voilà. Ensuite, là, dès que vous avez le dossier sur votre bureau, en fait, vous allez faire clic droit et extraire tout. Voilà, extraire. Ouais, je remplace. La copie est remplacée. Copie est remplacée par la copier, hein. Voilà. Dès que vous terminez les extraits, ça va vous mettre dans un dossier comme ça. Et en fait, vous allez faire. Là, il y aura jointoke slash tiret du bas en, ou D, je crois. Double cliquez dessus, et là, vous prenez le jointoke. Donc, il y aura, je vous dis, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de compte d'administrateur pour l'installer, de vérification d'administrateur, bref, de compte parental pour l'avoir, c'est très simple. Sinon, pour le garder beaucoup de temps, au lieu de rien dans le dossier, vous allez, juste avant d'ouvrir jointoke, vous allez prendre jointoke, vous allez glisser sur le bureau. Moi, c'est déjà fait parce qu'il est là. Ensuite, vous pouvez tout fermer. Et là, vous aurez ça. Mais moi, c'est parce que c'est moi qui ai fait le décompte. Du coup, je vais marquer un. Tuto YouTube. Voilà, donc on recrée. Et après, vous verrez sur le bureau qui est un compte ici. Et là, vous avez toutes les touches. Donc d'abord, ma manette, je vais. Allez. Voilà, maintenant, il est l'heure de brancher cette manette sur le PC. Voilà, merci. Ensuite, donc voilà, si jamais ça va, si vous voyez que ça marche directement,
quand vous répétez. C'est-à-dire que c'est bon. Et si jamais ça ne marche pas, il va falloir aller dans Options, Configure, Advanced Settings of It. Et là, vous avez. Et, normalement, il y a un S. Non, est-ce que j'ai mis RZ? Normalement, s'il y a. Voilà, normalement, si. Normalement, il devait avoir. Bah, ce point-là, il devait être là, hein, en haut, quoi. Et en fait, pour que ça soit au milieu et que quand vous bougez avec votre joystick, et bah, que ça tourne. Attendez. Voilà. Alors, si jamais vous le mettez en genre. Je sais plus, il est vers le haut. Je sais même plus c'est lequel quoi. Voilà, c'est comme ça. Si vous voyez qu'il y a RY sur le stick 2, et bien vous allez sur vertical et vous allez mettre RZ. Comme ça, quand vous tournez, ça marchera. Voilà. Et du coup, bah, vous avez dans le joystick 1 ou 2, si jamais vous avez deux manettes, ou une seule, comme moi. Et bon, ensuite, et bah, vous pouvez configurer avec un jeu que vous allez bah, configurer avec vous. Donc, pour tester ça avec vous, même si j'ai déjà testé plusieurs fois ça, et bah, moi j'ai fait mes commandes de Minecraft et de Warface. Voilà, petite pub pour Warface et Minecraft, je vous mettrai les deux jeux dans la description. Et du coup, après, si jamais vous avez si vous avez créé plusieurs comptes pendant le tuto, et ben, ou après le tuto, vous avez créé plusieurs comptes pour les commandes, bah en fait, dès que vous démarrez un jeu, moi c'est déjà fait, je vais en avoir un compte. Voilà. Et ensuite, et bah, vous avez sélectionné la bonne session, quoi. Donc moi, je prends celui-là, c'est déjà fait. Ensuite, vous pouvez fermer ou réduire. Moi, je vais fermer. Allez. Moi, comme j'ai mis le mouse, pour Minecraft, c'est bah, je stick le fait mouse. Et bah, ça tourne tranquille. Parce que je vois pas, vous pouvez faire bah, comme vous voulez. Ça c'est bien pour bah, par exemple pour ceux que bah, pour ceux qui n'ont pas SCP driver ou SCP server, bah, prenez Jump to Pay, ça va marcher à 100%. Juste aller dans les commandes et tout manipuler correctement. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, bah, du coup, bah, moi ça marche. Désolé si ça bug, parce qu'à chaque fois quand je filme, bah, à chaque fois mon envie bug. Quand je joue un jeu, ça fait mon envie. C'est que ma mère était trop difficile. Donc voilà, si vous voulez mon pack de lecture, il faudrait. Faire des crafts. Donc voilà, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Commentez, partagez et abonnez-vous. Allez, ciao!